Bonjour, c'est Claire du blog des Landes d'Intérieur. Aujourd'hui, Christophe nous accueille dans sa cuisine. On va faire un foie frais au raisin avec une petite purée de butternut. Il me faut un foie frais. Alors, foie frais, bien sûr, qui vient de la ferme de Chobanon. Il va me falloir quelques rôtis. Il va me falloir du vin blanc de Gascogne sucré, des raisins, de la fleur de sel, du poivre, de la crème fraîche et du butternut. J'ai donc pris un butternut. Je l'ai épluché, je l'ai coupé en petits bouts et je l'ai mis à cuire en vapeur. Je vais préparer mes raisins. Donc vous mettez vos raisins, vos graines de raisins, dans une casserole, de l'eau froide et vous portez à ébullition. Vous voyez, la peau vient toute seule. Ensuite, vous avez deux options pour enlever les pépins au centre. Ou vous prenez un trombone et le pépin sort. Ou comme moi, pour vous faciliter la tâche, vous l'ouvrez en deux et vous enlevez le pépin. 5 minutes que j'ai mis mon butternut à cuire à la vapeur. Voyez, tout simplement, je vais le réduire en purée. Un peu de fleur de sel, légèrement crémé. Maintenant, je vais poêler mon foie. Donc, je vais faire de jolies escalopes. Et je vais le saler, le poivrer. Au bout de 2 minutes, je tourne mon foie. J'oublie pas de le ressaler, poivrer de l'autre côté. Mon foie est bien doré. Petite croûte qui s'est faite dessus, bien croustillante. Je le mets sur un papier absorbant. Maintenant, je vais jeter le surplus de gras, mon vin blanc de Gascogne, je vais rajouter mes raisins et je vais faire réduire. Voilà, je vais ajouter mes rôtis, je vais mettre mon foie dessus. Avec mes raisins, voilà. Vous voyez, tout simplement,